Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se trouve à Losberg, une petite carte assez sympathique où il y a beaucoup de demandes en travaux publics, en terrassement, en tout ce qu'on veut. Donc du coup j'ai décidé de m'installer ici pour créer une mine. Et on va aller découvrir cette petite mine, ce chantier. Allez, je vous emmène. Parce que je pense qu'il y a un gros potentiel, il y a pas mal de développement dans la ville. Beaucoup d'agriculteurs aiment bien cette carte, donc ont créé leur ferme ici. Donc, il y a pas mal de demandes de travaux. Donc, on a de quoi s'amuser. Non, sans déconner. Allez. Donc, j'ai modifié cette petite carte pour lui faire du TP. Donc, je vais vous faire découvrir en avant-première la première ébauche, qui je pense est assez sympathique à mon goût. Alors, on va essayer de faire pas mal de vues intérieures dans mes prochaines vidéos parce que mes fans me le demandent. Donc, je vais essayer d'en faire le plus possible pour que tout le monde soit content. Alors, quand c'est du matériel pourri intérieurement, des mods qui sont très moches, je ne le ferai pas. Et quand c'est des camions qui le valent le coup, comme celui-là par exemple, le Tatra, on fera de la vue intérieure. Allez, on arrive au virage du site. Alors là, par contre, j'ai choisi cet endroit, mais je me demande comment je vais faire pour tourner avec les camions plateaux pour emmener le matériel de chantier. Mais bon, c'est pas grave. On trouvera une solution. Alors déjà, cette carte, je trouve qu'elle est très belle. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Allez, on arrive sur le plateau. Donc, je vais vous expliquer les idées et vous montrer la mine. Donc l'entrée elle sera par là hein, je pense, peut-être pas ici spécialement mais par là. Ici il y aura tout ce qui est bâtiment de rangement du matériel, zone de vente où il y aura le tri des gravats, du sable, tout ce qu'on veut, usine de transformation, tout ça. Donc j'y mettrai par là. Donc la mine elle est à droite là, tout ce qui est en face de nous et un petit peu à gauche ce sera de la mine aussi. Pour l'instant j'en ai pas l'utilité donc je l'ai pas creusé. Voilà, donc là on arrive sur notre lieu de travail. Donc sur le bas-côté gauche, je vais y mettre des plots comme il y a en bas là, pour pas qu'on tombe, hein. N'inquiétez pas, c'est prévu. Pour l'instant, on n'est pas con donc on tombe pas. Hop, voilà, allez. Donc on va aller le garer au fond là-bas pour pas embêter le monde. Voilà, tac, là on est bien. Voilà, donc on arrive dans notre mine. Donc ici, vous avez le séparateur hein, qui trie le sable, le gravier et les débris. Donc on va prendre notre Volvo, on va aller charger un coup si vous voulez. Allez. Allez, c'est parti. On va éviter de se casser la gueule. Hop. Allez, on va aller tout de suite en bas. Donc là, vous avez le convoyeur qui monte. Voilà, donc là, j'ai les petits plots, vous voyez, sur le côté pour pas tomber. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Alors, par contre, là, il y a une sacrée descente. Donc, c'est fait exprès parce que j'ai pas envie de descendre avec des super camions de transport. Donc, c'est fait exprès pour descendre avec que des véhicules de chantier, donc on aura les camions de chantier. Hop, allez, on va se charger le godet dans nos gravats. Hop, ah, c'est plein. Donc là, vous avez le site de terrassement, hein, la pierre, tout ça. Donc on a commencé à creuser. Bon, l'idée c'est après de mettre une excavatrice en haut, mais une pelleteuse, mais j'en ai toujours pas trouvé. Allez, donc, hop, ça c'est fait. On va se ramener ça. Bordel. Et je monte peut-être un peu brut là, quand même. On va passer quand même sur le chemin. Allez, je vous ai pas montré vu d'en bas de la machine. Peut-être que ça intéresse quelqu'un quand même.
Donc la machine elle est là, hein, on remplit là-haut, ça convoit et tout. Allez sur son plateau. Ouais. Hop. Allez. Donc je suis preneur d'idées, de conseils. Si vous avez des trucs qui vous plaisent pas spécialement, que vous trouvez pas terrible, vous me le dites, hein. Si je peux y changer, j'y changerai. J'ai essayé de faire une structure de mur pas trop dégueulasse et qui ressemble le plus possible à la réalité, quoi. Donc je pense que c'est pas trop mal. Le sol, j'espère qu'il vous plaît aussi. Moi, je le trouvais pas trop mal non plus. Après, je vous dis, hein, vous me dites si vous avez des idées. Il n'y a pas de souci. Je suis qu'au début, donc je vais pas tout modifier. Donc dites-moi le maintenant si vous voulez. Et si ça me plaît, je l'intégrerai, il n'y a pas de problème. Allez. Tac. Voilà. Ça, c'est vide. Hop, on va regarder. Ouais, si, je vais regarder, peut-être que je mette la fenêtre d'aide. Tac. Alors, de la pierre 60 000, voilà. Donc 40%, elle est pleine. Elle fabrique du tailings 4%, du sable 20% et du gravier. Donc ça passe dans le convoyeur et après ça sort là-bas. Donc il n'y a pas de souci, ça marche. Et après on peut le charger ici dans les camions et remonter en haut. Donc l'idée c'est de, voilà, on transforme la matière première. Ça nous donne ça. Après ça, on y remonte par le chemin avec toujours des véhicules de chantier. Et sur le plateau là où je vous ai montré au départ, et ben, il y aura les usines qui transforment en ciment, qui transforment en asphalte et tout ça pour livrer. Et puis il y aura des petits bunkers où on peut y mettre encore dedans pour après y emmener sur les différents chantiers que je créerai dans la carte. Voilà, j'espère que ce début de carte vous plaît. Et puis bah, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, hein, ça fera toujours plaisir et ça voudra dire que je peux continuer dans cette lignée-là. Allez, on va se finir la vidéo sur une petite vue de la carte. Pas de la carte, de la mine. Voilà. Merci, à bientôt.